Nous rendons grâce à Dieu pour cette année 2022. We give thanks to the Lord for this year 2022. Nous avons prié, nous avons proclamé. We prayed and we proclaimed. Et nous savons que Dieu a entendu, Dieu a exaucé. We know that God heard and God answered us. Et quand on parle que Dieu a exaucé, donc frères et sœurs, donc cette année, Dieu veut nous amener à comprendre le mécanisme de croissance dans la vie chrétienne. When he said that God has heard, that God wants to bring us to understand the mechanism of growth in Christian life. Parce que beaucoup de gens sont devenus chrétiens à cause de tels problèmes, de telles situations, de telles difficultés. Because many people become Christian because of so problems, of so and so situations Mais, and difficulties. C'est vrai qu'à travers les enseignements qu'ils ont reçus ici, plusieurs ont découvert que c'était Dieu avait tout juste utilisé ces choses-là pour les tirer dans son amour vers lui. It's true that through the different teachings that I've heard here, this was the mean used by God to draw them to him by those situations. Mais maintenant qu'ils sont là, Jésus a dit, now that they're in the church, Jesus said, donc quand ils seront sauvés, once they will be saved, il faut leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. You have to teach them whatsoever I've Et told you. Et la croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit, c'est en réalité pour le thème de la vie chrétienne sur la terre. And the growth of the local church, the life of the spirit, is in fact the theme of a man's life on this earth. Comme sur la terre, as on the naturellement, earth, on a natural way, les hommes naissent, men are ils born, deviennent des bébés, they are born as babies, ensuite ils grandissent dans une enfance entre un an jusqu'à 10 ans. The next go to the phase of childhood between 1 to 10 years. Et à 12 ans, c'est la limite de l'enfance. And by the age of 12, this is the end of childhood stage. Jusqu'à 12 ans, c'est à partir de ce moment-là que Dieu commence à regarder les péchés des enfants. By the age of 12, God starts counting the sins of children. Donc à ce niveau-là. It is qu'il soit un enfant chrétien ou non chrétien, it may be a Christian or s'il meurt Christian avant child, cet âge-là, il va chez Dieu. If he died before 12, mais à partir he goes de 12 to ans, but when he reached 12, donc, l'enfant sait distinguer entre le bien et le mal. The child knows to make the difference between good and evil. Alors, les péchés qu'il commet maintenant sont des péchés parce que ses parents l'ont éduqué pendant 12 ans. Because he has been raised by his parents for 12 years. Ses parents l'ont formé. He was trained by them. Il a la jugeote, il a l'intelligence. He got the mind, he got understanding. C'est vrai qu'il ne comprend pas la vie en général, mais il y a des choses, mentir et faire voler là. Il sait que quand il vole, il ment, c'est pas bien, il le sait. It's true that he doesn't understand everything, but he knows the difference between lying and telling truth or stealing. Et he knows what is wrong and what is là, good. And this is the time why que l'enfant entre dans une phase, soit qu'on appelle népios, il devient un enfant qui a dévié. The child enters the stage of népios children. Un it means that he gâté, missed the goal. Selon les termes du monde. As the world say, is poor, is poor child. Un enfant qui commence à aller dans des endroits où il ne doit pas aller. A child will start misbehaving, going places where he's not supposed to go. Et il rentre dans une adolescence turbulente. And he enters in a very turbulent teenage time. De 12 jusqu'à 17, 18 ans, between 12 to 17 and 18, il rentre dans une adolescente. He reached now the level of teenage. S'il a manqué les 12 ans là, if he missed this stage donc of 12, il rentre dans une adolescence turbulente, il n'écoute personne. He became a very turbulent teenager, refusing to listen il to anyone. Il croit connaître plus que ses parents. He thinks that he knows more than his parents. Parce qu'il s'informe en dehors de ses parents. Because taking information from other people than his own parents. Il fait de ses parents ses propres ennemis. And he considers his parents as his own enemies. Oh oui, maman, j'ai compris. Oh, mommy, I got you. Il répète la même chose tout le temps. Et il préfère aller écouter un petit copain, une petite copine là, qui les induise en erreur. You are telling me the same every time. So you would rather like to listen to his friends that are leading him Mais in mistakes. Certains adolescents se réveillent brusquement. But some teenagers wake up suddenly. Ils sont passés par des temps de douleur. After facing some painful times Et ils vont in their entrer lives. Dans une jeunesse. And they will enter now in a young Une maturité. Age. In a maturity. Ils commencent à devenir ce qu'on appelle, donc, dans le plan spirituel,
spirituel de Ouios. In the spiritual realms, they are called now Ouios. Comme Jésus est entré à l'âge de 30 ans, donc dans la catégorie de Ouios. By the age of 30, Jesus reached the groups of the Ouios, the stage of et the Ouios. Après cela, and after that, il va entrer dans la phase de croissance de ce qu'on appelle les pères. In the intern, the stage of the fathers. Et après, and later on, bon, il prend une retraite. He will soon retire. Et ensuite, il retourne là d'où il est venu. And he will go where he came personne from. Personne ne peut nier cette croissance des hommes. No one can deny this growth among et human beings. Et on voit parfois. Les parents s'attendaient à ce que l'enfant croisse de cette manière, mais l'enfant croit d'une autre manière, et les parents ont le cœur brisé. Once sometimes the parents are expecting the child to grow in such a way, but sometimes it doesn't follow the steps, so il the parents' heart aussi are sometimes broken. This is the same on the spiritual realm. Vous comprenez? Do you understand? Sur le plan naturel, je vais terminer quelque chose avant d'aborder le plan spirituel. Let me have something on the natural realm before going to the spiritual realm. Les enfants, les parents ont quelques moyens. The parents got some means. Ils commencent à investir dans cet enfant-là. And they will start investing in that child. Les parents pensent à lui quand ils voyagent ou bien quand ils vont quelque part, ils achètent des choses. Ah, il y a ma fille à la maison, il y a mon enfant à la maison. They think about him when they travel, they buy gifts for the daughter or their boys. L'enfant croit que c'est un acquis. But for the child, it's granted. On doit lui donner ça. For granted. On doit lui donner ça. It's compulsory. He should receive those gifts from his parents. Les parents, mais ce qu'il veut, c'est les biens des mains de ses parents. He's no more considering his parents. What he wants is the gifts from his parents. Et parfois la vie de famille devient pour lui une vie oppressante. Sometimes living in a family becomes a time of oppression. On ne doit pas sortir. We cannot go out whenever we want. Ses camarades. We can visit our friends whenever donc, we desire. Vous comprenez, malgré tout le bien que les parents font. Despite the good things that the parents are doing for alors, him. Alors, il méprise un peu ces choses-là. How despite those things. À récolter lui-même ce qu'il a semé. Till the day where we start reaping what is sowed. Alors, quand on regarde la fin d'un être humain que les parents ont vu depuis sa naissance jusqu'à sa fin, ce sont ses grands frères qui vont le voir sa fin. When we consider the end of such a being, that his parents saw his beginning and maybe his elder brother will see his end. Les gens remuent la tête. People will know their heads. Ou les gens disent ah. People will say, il a été un homme vraiment une femme excellente. Oh, as you can say, or the contrary, you can say it was vraiment, a wonderful il a eu des moments woman. Difficiles dans sa man. Vie. He had a really hard time in his life. Mais par les conseils de ses parents, de ses, il s'est repris. But thanks to his father's and parents' advices, he made it. And he ends well. Si on vient sur le plan spirituel maintenant, now let's come back on the spiritual realm les now. Deux vont aller ensemble. The two things can work together. Voici, nous naissons de nouveau. So we are born again. Donc, nous devenons des bébés spirituels. We are now spiritual babes. En tant que bébés spirituels, our spiritual babies, notre nourriture, c'est le lait spirituel comme le bébé naturel, c'est le lait de sa mère. Our food is the spiritual meal. Like with natural babe, you have to drink et his mother's le milk. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, prend soin de nous. And the Lord, by the Holy Spirit, will take care of us. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas, mais Dieu même pose sa main sur nous et nous guide et nous garde et vraiment nous bénit. There are things we don't have to pray for, but God will keep us, protect us, and take mais care à, of us. À un niveau donné, but at a certain level, nous entrons dans une enfance. We enter in a childhood stage. Et si nous n'avons pas compris ce que les parents nous ont enseigné dès le début de notre conversion. If we did not understand what our parents taught us from the beginning of our conversion. Alors nous commençons à devenir des chrétiens népios. We start becoming népios Christians. On vient à l'église. We just come to church. Comme l'enfant naturel va à la maison. As a natural child goes at home. Quand il s'en va, il s'enferme. When he goes at home, he locked himself in his room. Il ne parle à personne. He speaks to no one. Quand ses parents parlent, il crie. When his parents speak to him, he answers. Et vraiment, ça ne va pas. And there is nothing et something wrong même with him. Spirituellement, and in the same way spiritually. Arrivé à un moment donné où le Saint-Esprit est en train de nous amener
à grandir de façon correcte. We get in a certain place when the Holy Spirit wants to take us to grow in a right et way. Parfois la parole de Dieu n'a plus d'importance pour nous. But sometimes the word of God is no more important to us. Et nous voulons des messages choisis. We want some chosen preachings and sermons. Comme certains enfants, as some kids, naturellement, on a natural realm, ils aiment la nourriture de la voisine, mais they, pas la nourriture de leur maman. They like the neighbor's food. They don't like their et own mother's. C'est important que nous comprenons le cheminement de la vie chrétienne. It's very important to understand the journey of Christian life. On ne peut pas sauter le cheminement de la vie d'un homme. On ne peut pas sauter l'adolescence. On ne peut pas sauter la jeunesse pour aller. Non, on ne peut pas sauter. C'est obligatoire. On doit passer par ça. We cannot skip the steps of growth in a natural human life. We cannot skip from a childhood to go to the level of a mature. No, okay, you have to go through some steps. Vous dit que lui, il va vous prendre et puis vous êtes né. Maintenant, il va faire rapidement en 3 mois, ils vont faire une opération pour vous tirer. Vous serez à 1m50. No gynecologist can take you. You are just born. Instead, in 3 months, we just try to make everything for you to grow up and reach 1m50. The same way we accept the natural growth. Nous devons accepter la croissance spirituelle. In the very same way, we should accept spiritual growth. Et cette croissance spirituelle-là, and this spiritual growth, donc, a des étapes comme celle de la vie naturelle. Got some steps, just like in natural realm. Alors, mais comme nous sommes croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit. Ah, we are in the theme of the growth of the local church in the life cela of the spirit. Cela veut dire que le Saint-Esprit a un rôle très très important dans notre croissance. This means that the Holy Spirit got a very very important role in our growth. On va ce matin passer rapidement. Today we will see quickly sur les églises locales, donc au temps de Paul et au temps même des premiers apôtres. We see the local churches in the days of Paul and in the days of the first apostles. Et à travers ça, nous allons voir la photographie. And through that, we see the picture de ce que nous-mêmes nous sommes. Of what we are today. Et on today. Va voir dans quelle catégorie d'église locale. And we see in which kind of local church. Nous sommes ce matin. We are this morning. Ça ne se cache pas, c'est détaillé dans la parole de Dieu. It's not hidden, it is detailed in the word of God. Dieu ne nous cache rien. God hides us nothing. Il ne nous cache pas les défauts d'Abraham. It does not hide, it did not hide us Abraham's faults. Il ne nous cache pas les défauts de Moïse. It did not hide us Moses' faults. Dieu les a dévoilés. God just revealed them. Si c'est aujourd'hui qu'on devait écrire une Bible sur la vie des chrétiens, if it was today that we have to write Bibles about the Christian lives, I think this world Bible cannot contain all the books they will write about our lives. Même sur les chrétiens d'aujourd'hui, even one Christian today, ta vie a perdu une Bible. Your life can become a Bible. Tellement les défauts là sont là. Because the faults are so many in people's life today. Ce qui n'était rien pour les pauvres. Things that was nothing in the days of Paul, or in the days of Abraham. Today's Christian, we hang to that. We never saw disciples like Paul or disciples spending 3 days without speaking to one another. There were little misunderstanding, but there were never resentment. John. Jack. James. Vous êtes parti, votre maman est partie négocier avec Jésus les places là. Your mother wants to negotiate with Jesus to have some high positions for nous, you. Nous, on vous parle plus, hein? We will no more talk to you. Jamais on voit ça. We never saw that in the Bible. Il y a eu des histoires entre Paul et Barnabas. There were misunderstandings between Paul and Barnabas. Mais regardez comment les gens avançaient. But look at all the way those people were moving forward. Mais ce matin, and today, nous allons voir, we will see, pourquoi certaines églises, malgré la présence de gens comme Pierre, Paul, why in some churches, despite the presence of leaders like Peter and n'ont Paul, pas suivi dans le processus de croissance. They did not follow the right process of growth. Quelles sont les raisons? What are the reasons of those situations? Ou quelles ont été les raisons? What have been the reasons? Pour que
quand je parle des églises locales, je parle des premiers chrétiens. When I talk about local churches, I'm talking about the early church Christians. Quand on parle d'église, on ne parle pas du bâtiment. When talk about church, pas le bâtiment ne fait pas croissant. On parle de toi en tant que corps de Christ. When we talk about the church, we don't talk about the building. We talk about you personally as a member of the body of Christ. Et à la veillée, nous avons vu cela un peu. And during the cross overnight, we saw that Jésus little bit. Jésus est la tête. Jesus is the head. Voilà. L'ensemble là, c'est on appelle Christ. And the whole body is called Christ. Dans Christ là, il y a Jésus. In Christ, there is Jesus, the qui est la tête, the head. Il y a l'église. And the church. Qui est le corps. Which is the body. Voilà. Jésus n'est pas l'église. Jesus is not the church. L'église c'est Christ. The church is Christ. Avec Jésus pour tête. With Jesus has the head. Et nous pour le corps. And we has the body. Donc tu comprends? So do you understand? Alors, donc, étonnant. But and it's amazing. Avec tous les miracles. With all the miracles. Tous les signes extraordinaires. And all the amazing signs and wonders. Que les Paul faisait là. Performed by people like Paul. Et quand les gens lisent, ils disent, mais pourquoi il n'y a pas ça aujourd'hui? Les Paul ont fait tout cela, mais tu vas voir l'état spirituel des églises, malgré des églises que Paul même a ouvertes. People will say, why don't we have the same miracles like the days of Paul? You will see the state of those churches. Despite all those miracles, you will see the malgré, state of those malgré, people. Malgré, despite all those miracles, the spiritual gifts that were manifested, Dieu, the power of God was released. L'homme, that man remained the same. De miracles et de signes et de prodiges. We don't live by miracles, signs and wonders. Ça no. Ne peut pas changer quelqu'un. This cannot change someone's life. Ça ne peut pas transformer quelqu'un. This cannot transform someone's life. Il y a des chrétiens qui sont liés à ça. Ils ne mangent pas. La parole de Dieu, c'est la nourriture. There are Christians who are focused on those things. They don't eat the word of God, which is the food. It is the meal for your avant spirit. Avant de commencer, je vais te dire, je vais aller dans Hébreux 5. Before starting, let's go to Hebrews 5. Dit, verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. For we have a lot of things to say and things that was hard to explain. Tu comprends? Parce que we have much to say and hard to explain since lent à comprendre. You have become dull of hearing. Vous êtes devenu lent. You have become dull of hearing. La compréhension là qui aide les chrétiens saisir la parole qui est prêchée. It's the hearing and the understanding that allow the Christian to understand the words that is preached. Même à l'école, même au lycée, even at school. Le professeur enseigne des matières mathématiques ou autre chose là. The teacher will teach some subject like mathematics and other things. Quand il dit, vous avez compris, tout le monde dit, oui, monsieur. When you say, did you understand? People say, yes, sir, I got it. Après, on dit de venir faire l'exercice. Later, they ask for people to do the exercise. Et c'est l'envers. And they miss the point. Mais il ne peut pas avancer, il ne peut pas réussir à l'examen. This child cannot succeed in doing the exam. Parce qu'il n'a pas compris. Because they don't understand. Et Paul dit ici, and Paul says here, vous êtes devenu lent. You have become dull of hearing or understanding. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu lent à comprendre? You were not like that, but you have become. What made you become dull of hearing or of understanding? Parce que sur le chemin de la vie chrétienne, because on the way of Christian life, certains aiment quitter, être autonome, indépendant, chercher leur expérience en dehors la parole écrite. Some leave the path of the written word to have their own independence, their own experiences out of the word. Il est impossible d'être chrétien sans la parole écrite. It's impossible to be a Christian without the written word of God. Alors, comprends? Il dit vous êtes lent. He said you have become dull. Devenu. You have become. You are not so. You have become. Vous n'étiez pas. You were not so in the beginning. Vous êtes devenu lent à comprendre. But you have become dull of hearing. Il dit vous. He said you. Vous. For you. En effet, qui depuis longtemps devrait être des maîtres. For though by this time you ought to be teachers. Avec tout l'enseignement que je vous ai donné, dit Paul. With all the teachings I've given you, said Paul. Si je devais vous évaluer. I have to assess you. Aujourd'hui, nowadays, vous devrez être des maîtres. You should des have become teachers. Enseignent aux autres par votre comportement, votre attitude et aussi par l'enseignement biblique. People who are teaching other people by your behavior, by your attitude and by the preaching of the word. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne
les premiers rudiments des oracles de Dieu. But he said you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Vous en êtes venu avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. And you have come to need milk and not solid food. Ce qui peut troubler une maman. Some things that can trouble a mother. Quand l'enfant est né, l'enfant a commencé à boire, à téter, à boire le lait. When the child is born, the child started drinking milk. Les dents ont commencé à pousser. And the teeth started coming out. Donc les parents disent maintenant l'enfant peut passer à la bouillie et autre chose. The parents say now the child can drink porridge Mais or something else. Mais au bout de quelques temps, but sometime later, l'enfant là ne supporte pas cette nourriture qu'on a commencé à lui donner. The child doesn't bear drinking this food. Et c'est sûr qu'on va l'amener chez un médecin, un gynécologue pour aller voir ou bien un pédiatre. They will take him to the medical doctor to see what's wrong with him. Ah, mais cet enfant-là aurait dû maintenant manger et boire, mais il ne supporte pas. This child should have been now be able to drink and eat, but he la not bearing to eat. So même nous enseigne la vie chrétienne. The natural life is teaching la us in the spiritual realm. The mother would worry. Elle n'est pas pédiatre. She is not a medical doctor. Mais naturellement, but naturally, elle sait qu'un enfant qui a commencé à pousser des dents, she knows that the child will start having teeth. Alors, devrait passer à une autre catégorie de nourriture. Or was supposed to move in another category mais of food. Dit, but it says. Si quiconque est au lait, and you have a whoop for everyone who partakes only of lait, milk. Alors qu'il devait être maître. Meanwhile, he was supposed to be a teacher. N'a pas l'expérience de la parole de justice. Is unskilled in the word of righteousness. Car c'est un enfant. For he is a babe. Ah. Quelqu'un qui aurait dû être maître est appelé enfant. Someone was supposed to be a teacher is now called a babe. Oui. Do you see? Quelqu'un. Someone. Qui est à l'école, à l'église locale. We're in a church, in the school, in the local church. Et on vient l'évaluer. And they come and assess him. Pendant toutes ces années-là. During all those years. On se rend compte. And we notice that. Que non. That no. We realize that, you know, it's not. C'est étonnant. And it's amazing. Ah, tout le temps, c'est des plaintes. And every time he's complaining, murmuring. On dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. They say everything works together for the good of those who love God. Pas. He said, no, I don't like it. Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? What should we do for you? Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? What should we do for you? On est en train de regarder nos racines. D'où tu checking. Viens? Comment tu es entré dans le christianisme? Pourquoi tu ne grandis pas et tu es toujours au lait, tu cherches les prédications de lait, les laits qui te font plaisir à ta chair. We are checking our root to see how did you join Christian life. Why are you looking for some preachings that delight your flesh? You are looking for milky sermons. He said la that nourriture solide est pour les hommes faits. He did for but solid food so belongs to those who are of full age. Maintenant, il dit les hommes so, faits. We have babes now. He said, those who are of full age. Qui sont, femmes, hommes qui sont mûres, men and women who are mature. Pour ceux dont le jugement est exercé. That is those who, by reason of use of their par senses. Par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Have their senses exercised to discern both good and evil. La personne a été tellement moulée. The person was so molded and shaped. Le pasteur n'a pas besoin de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Non, c'est lui-même. The pastor doesn't need to tell me this is good, this is evil. No, quand he can personally mal, make the choice. And he gets rid of that quickly. Quand il voit le bien, il s'attache fortement au bien. When he sees the good, he strongly binds himself to the good il thing. Attachez-vous fortement au bien. The Bible says to bind yourself strongly. On n'a pas besoin de lui dire. We don't need to tell him this is good. Non, mon frère. No, my brother. Chapitre 6 et verset 1. Hebrews 6 verse 1. Il sait pourquoi. He said, therefore. Laissant les éléments de la parole de Christ, the discussion of the tendons à ce qui est parfait, or the elemental principle of Christ, let us go on to perfection. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, not laying again the foundation of the repentance from dead works, de la foi en Dieu, and of faith towards God, la doctrine des baptêmes, of the doctrine of baptism, de l'imposition des mains, of laying on of hands, de la résurrection des morts, of resurrection of the et dead, du jugement éternel, and of eternal judgments. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. And this we will do if God voilà. Permits.
Donc, je ne vais pas lire le verset 4. Le I don't verset want to read verse 4. Certain, je préfère to not trouble some people. I would rather stop here. Voilà, donc c'est important. So it's important. Les gens ont l'esprit parfois, ils ne comprennent pas. People sometimes don't understand the word of God. Là, il a été prêché dans une église. This, un jeune homme a dit, ah, this verse 4 were preaching in a church. As it says that it's possible, impossible for those who were enlightened and who have seen, who have fallen away to renew them again to repentance. And the devil say, it's you. They are talking about you. So you see, on a dit que c'est impossible qu'il soit pardonné. He said that it's impossible for you to be forgiven. Ils ont goûté au Saint-Esprit. Because ils ont tasted, ils ont goûté. The heavenly gift, the Holy Spirit. They said that they have ils tasted. Ils sont pas encore dans la perfection. They are not yet in the perfection of this. Mais et qui ont péché volontairement. And who fade away willingly. C'est ce terme-là, péché volontairement, là, qui l'a troublé. Is this term that they have fall mais away? On n'a pas dit les péchés. He didn't say those who have les sins. Et le péché. People are confusing between sins le and péché, sin. C'est l'arbre, c'est la racine. Sin is the tree, it's the les root. Les péchés, ce sont les actes que tu poses, mensonges, autres, là, c'est ce qu'on appelle les péchés. But the sins are your daily actions that you are doing, lying, les péchés lying, sont stealing. Pardonnés. Your sins are forgiven. Le péché n'est pas pardonné. But the sin is not forgiven. Lui, il est enlevé. The sin is removed by cette God. Cette nature mauvaise. This evil nature. Tu ne verras jamais dans la Bible le pardon du péché. You will never find the Bible that le mot forgiveness pardon of est this sin. Avec les péchés au pluriel. No, forgiveness is always for sins in the plural. Comme tu aimes contester, va voir ça. As you like contradicting, go si and check in the Bible. Le pardon du péché. If you find that forgiveness of this sin, you come and no more. Pastor. There are people who like challenging the pastor. Go and test and you will see. It does not exist in the Bible. Le pardon des péchés. It's always the forgiveness of sins. Quand on parle du péché, on parle pas. Quand on parle du péché, bon, le malheur dans les langues nationales, bon, même ça, on parle de la nature du péché. La nature du péché est ôtée. When we talk about sin, the singular, they talk about the nature of sin. The nature of sin is removed. The principle of sin is removed, uprooted. C'est ça qui nous pousse à faire les péchés. Because it's what is pushing us to do sins, to commit sins. C'est pourquoi dans 1 Jean 1:9, il dit que Dieu pardonne, si vous confessez, il pardonne vos péchés. That one in 1 John 1:9 said, God forgives you, confess your sins. Pas le péché. Not their sin, but your sins. Si nous confessons nos péchés. If you confess our sins, il est prêt pour les pardonner. It's faithful and righteous to forgive them. Voilà. This is it. Donc, les péchés, là, ce sont tes actes que tu poses. Sins are your daily actions you are doing every day. Voilà, donc c'est pour éclairer. Ce sont des choses comme ça qui embrouillent certains chrétiens faibles. These are some things that are sometimes disturbing the weak Christians, troubling. Et il s'est trouvé que ce jeune homme-là, and this happens as a young man who came in church and who heard that message, he had just sinned. Il venait de pécher pour venir à l'église. He had just sinned before coming to church. Et il est tombé net. Il est venu net. Il est rentré puisqu'il est venu en retard même. And he came late quand to il church. Est rentré, il s'est assis. And when he came late and sat le down, le pasteur a dit ça. The pastor said this word. Car il est impossible. For it's impossible. Pour ceux qui ont goûté le don du Saint-Esprit tout. For those who have tasted the heavenly gifts and the Holy Spirit, it's impossible. For him to renew them, it's impossible for him again to get repentance. Tu as vu non? The Bible said he's talking about you. They are just talking about you. It's too late for you. It's over. You have seen. No one knows about your sin. The pastor was just doing his preaching. That was also some people used to take the Bibles. They hold the Holy Bible. Parle-moi. Talk to me. Oh, parle-moi, talk to me, Holy Bible. Holy Spirit. Donne-moi une parole. Give me a word. Ils ouvrent. They open the Bible dessus, and they point up the finger on any verse they find. Sont les féticheurs. Those people are fetishes, they are not Christians. Ne faites pas. On a fait don't ça do au that. Début là-bas. C'était terrible. We did that in the beginning and il y a it was not terrible. Sur ça. Où des gens ont mis le point. There are many stories about when people just choose any ça. Verse like that. And they fell on the wrong verses. And some verses said, go and hang yourself. Judas. As it said, go and hang yourself.
Ah, il a dit, il ne fait plus comme ça. This man said, one more choose. On vous donne la manière de faire, mais les chrétiens aiment les choses bizarres. We give you the right way to meditate, but Christians like strange things. It's like that. Donc, tu comprends? So, do you understand? Le petit est sorti. So, the young man went out, dit, left bon, the church. Satan dit, bon, comme il est impossible. And Satan said to him, ah, it's impossible. La meilleure chose, c'est de te suicider. For you to be saved, the best thing is to kill yourself. Il est parti chercher un grand pont. He went to reach to seek for a very high bridge. Very high et bridge. Comme il ne sait pas nager, and as he doesn't know how to swim, il est parti, il s'est arrêté là-bas. He stopped there. Il y a un autre chrétien qui passait. There was another Christian that was passing by this way. Quand il est arrivé sur le pont là, when he came on the bridge, il a vu un jeune homme arrêté. He saw a young man standing. Le Saint-Esprit lui dit, the Holy Spirit told him, il veut se suicider. He wants to kill himself. Pour sortir ta voiture vite. Leave your car quickly. Pour aller l'aider. And help him. Quand le chrétien est sorti, when the Christian left his car, entend le petit avait déjà enjambé. And the child, the young man less was on the other jeté. Side of the bridge. He was able to jump. Il est parti l'attraper. And he just held him. Sa ceinture. Held him by his belt. Tiré à mener. And pulled him back. Et il dit mais pourquoi? And il he said why? And he explained. Le chrétien l'a ri. The Christian laughed. Il dit le pasteur n'est pas au courant de ce que tu he as said, fait the, comme péché. The pastor doesn't know about et your ici, sin. Ici là on ne parle pas des actes de péché. Here we don't talk about your daily actions that are. On dit ceux qui ont été éclairés là. But the Bible says those ones were enlightened. Par exemple, des cas où les gens ont été éclairés. For example, cases for people là, who have been enlightened. Tu n'es pas arrivé à ce niveau là. You didn't yet reach this level. Don't worry. You didn't ton yet reach the level of your Christian life. Voilà. Yes. Faut te calmer. Péché volontairement là. Je sais pas de quoi il s'agit. Sinning in a willing way, you don't know je what pas développé, so I don't want to develop. Mais tu n'es pas arrivé là-bas. Donc, but you didn't yet reach this level. So relax. Les péchés ne sont pas arrivés ici. Your sins did not yet reach this level. Tu ne comprends pas ça. You don't understand donc, this verse. Et pourquoi on saute certains passages, mais ils vont aller s'agripper à ça. Mais pourquoi on a dit ça? That was sometimes we skip some verses, but some people go and focus on that. Why did they say that? N'est pas arrivé là, le péché volontaire, là, tu sais pas de quoi il s'agit. When talk about sinning willingly, you don't know what is it exactly. Satan a commis le péché volontaire. Satan committed the same sin, willing sin. Et enfant de Satan? Are you a child of Satan? Et son camarade? Are you his mate? Et dans son équipe? Are you in his bon, church? Toi. So calm voilà. Down, relax. Nous avançons. We are heading forward. On est en train de voir les églises locales. We are seeing the local churches. Mais nous continuons. We are carrying on. Et nous revenons maintenant dans nos versets qui ont été préparés. And we come back to our verses that was prepared. Quel genre d'église locale sommes-nous? Which kind of local church are we? De quel genre de chrétiens sommes-nous? C'est la même chose. Or which kind of Christians are we? Et puis ensuite la vie d'une église locale comme Eden TBI. And next we see the life of the whole local church like Eden TBI. Égal à la vie de chaque chrétien là. The life of the local church as a whole is equal to the life of each person. Eden TBI. If the some of the churches of Eden TV, 80% sont des chrétiens charnels, if more than 80% are carnal Christians, l'église elle-même elle est charnelle. The church itself is a carnal church. Ils ne sont pas les 20% là, ils font des exploits. It's not about the 20% that are performing exploits. And that we make a victorious church. No. Donc c'est pourquoi ces églises là vivent. Those churches live. Malgré leur faiblesse, on n'a pas dit elles sont mauvaises. On a dit qu'ils n'ont pas progressé, ils ne peuvent pas manger la nourriture solide. But despite their weakness, we didn't say that they are bad churches, but they don't move forward. They cannot eat solid parce food. Parce que because dans leur vie là, because in their lives, il y a des choses qu'ils font. There are things they are doing. Et on va voir ça. And we see that. Maintenant, now, nous allons voir les églises Népios d'abord. We see now the Népios churches. Les chrétiens, bon, quand je dis église là, ça veut dire toujours les chrétiens Népios. When I speak about that, I speak about the Christian Népios Christians. La première église Népios dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est l'église de Corinthe. And the first Népios church in the Word of God in the New Testament is the church of Corinth. Regardons la caractéristique d'une église népios. That's the characteristic of a népios church. A babe church, a carnal church.
Et 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Et au verset 1. Verse 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. For it has been declared to me concerning my brother by those of Chloe's household au milieu de vous. That there are contentions among you. Un chrétien Népios. A Népios Christian. C'est des enfants dans une famille qui ont été gâtés. His children, the families that were spoiled. Et tu vois ces enfants-là, comme il y a des divisions parmi les enfants. And you see among those children, there are divisions among them. Et il explique au verset 12. And explain in verse 12. Qu'est-ce qu'il veut dire là? What does it mean by this? Je veux dire. Now I say. Que chacun de vous parle ainsi. That each of you says. Moi, je suis de Paul. I am of Paul. Et moi d'Apollos. Oh, I am of Apollos. Moi de Cephas, on parle de Pierre. I am of Cephas. Et moi de Christ. Oh, I am of Christ. Il dit, mais Christ est-il divisé? He said, but is Christ divided? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Was Paul crucified for you? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Are you baptized in the name of Paul? Vous voyez bien? You see? La première caractéristique d'un chrétien népios, il aime... j'aime ce pasteur là, les gens qui prêchent là, vraiment, je suis à l'aise, tant. The first characteristic of a Nepios Christian said that I like this pastor. The way they is preaching, I'm really comfortable. I like him. I prefer him. A pastor n'est pas un musicien dont tu aimes certains morceaux. A pastor is not a musician where you like some songs and other songs. Il prêche la parole de Dieu. He just preaches the word of God. Et la parole de Dieu a plusieurs caractéristiques. And the word of God got many characteristics. Il y a des moments où c'est sucré, il y a des moments où c'est amer. Sometimes it's like sugar, sometimes it's bitter. Il y a des moments où c'est dur. Sometimes it's hard. Il y a des moments où ça donne une joie. Sometimes it gives joy. Donc, tu ne peux pas dire. So you cannot say. À cause de ce que ce pasteur-là prêche, moi, non. Il dit, moi, je suis de tel groupe, moi, je suis de tel groupe. Non. Because of what this pastor is preaching, I don't like him. I'm of this group, I'm quand of this other group. Quand une église trop divisée dans ce sens-là. When you see a church divided, that faut faire kind attention. Of thing. Be careful. Et c'est pourquoi souvent j'ai insisté ici. This was sometimes I insisted here. Dès le départ, j'ai dit à nos pasteurs. In the beginning, I said to our pastor. Ne vous présentez pas. Il y a pas l'église de Carambiri, il y a pas l'église de Gilbert ici là. Non, il y en a pas. Il y a l'église de Christ qui a été crucifié pour nous, qui est mort, qui est ressuscité. Je veux pas entendre ce mot église de Gilbert, église de Carambiri. Je veux pas entendre ce mot là. Don't introduce yourself by saying this is Carambiri's church, this is Gilbert's church. No, it's Christ Church. Christ is the one who died and j'ai was raised for you dès le départ. So I refused people to call up the church Christ, is Carambiri's church. Parce qu'il faut appliquer la parole de Dieu. Because you have to apply the word of God. Et souvent, parfois, les pasteurs ne savent pas, les jeunes viennent vous tromper. And sometimes the pastor don't know. Ah, moi, j'aime tel pasteur de l'église locale là. They say, I don't like this pastor. Ah, mais l'autre pasteur est comme ça. Because si tu es comme like ça, that, if you are like tu es un chrétien népios. You are a népios child, Christian. Là où tu es assis là, tu es un chrétien népios, une chrétienne népios. Where you are watching me now, if you are behaving as if you are a népios Christian, man or woman. Non, mon frère, ma soeur. So my brother, my sister. Et il y a des pasteurs aussi, des évangélistes népios. Parce que quand les gens les suivent un peu, ils sont contents. And there are some pastors, some evangelists who are népios evangelists. When people like when people follow Paul them, they like sur la scène. Paul came on the scene. Il a fait des grands miracles. He started performing great miracles. Paul, some people say we are of Paul. Paul. No, we are of Paul. We are with him. Some others say no, we are not of Paul. He was a wicked guy. On est de Pierre, we are of Cephas, Peter. L'autre on dit non. And some others say no. Apollos, il est we are of Apollos. He's really eloquent. It's an eloquent man. Quand il prêche, tes cheveux when he preaches, your hair may work. Il est éloquent. He's eloquent. Et d'autres ont osé dire, nous sommes le Christ. And some others dare to say, no, we are of Christ. C'est un chrétien qui est mûr, ça. Is it the words of a mature Christian? Un chrétien qui va prendre Christ comparé à Paul. A Christian will take Christ and compare him to Paul. Ça veut dire qu'il comprend pas la vie chrétienne. Because he does not even understand Christian life. Ce qui bloque les gens, the thing that is hindering c'est le people, premier élément de division dans une église locale. First point of division in the local church. Among Christians of local church, there is division. Quand vous faites des choses, c'est ça.
When you behave like that, this it means we. Quand on vous dit de faire, non, moi j'aime ça. When asked you to do that, you say no, I like that. T'es un chrétien pieux. Quand ton chantre, comme toi tu dis, ton chantre n'est pas là. On n'a pas chanté ton chant là. You are a pious Christian. When your favorite music singer doesn't come to preach to praise, you don't sing. We don't praise, worship God. We sing songs where you jump. Dès qu'on chante ton chant là, tout ton corps, ça veut dire que tu es un chrétien pious. When we sing the song you like, all your body trembles. It means that you are a pious child, Christian. Another point about the pious Christian. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians 3. 1 Corinthians chapter 3. Et regardons le verset 1. Let's see verse 1. Oui, bien. Pour moi, frère. See, and ouais, I, brethren. On a parlé que ce n'est pas des chrétiens, mais c'est des chrétiens. Didn't say that we're not Christian. There was Nepios. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but. Vraiment, il y a des divisions. First, there are divisions. Mais Paul constate. But Paul noticed something. Il a prêché, il a enseigné. He preached and taught. Il dit le constat. You see, but what I've noticed. Ce n'est pas. Comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler. I could not speak to you as some spiritual people. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. But as to carnal Christian, as to babes in Christ. Deuxième caractéristique de l'église locale. The second characteristic of the charnel et tout. Of a carnal local church. Et c'est pourquoi je vous ai donné du lait. That's why I fed you with milk. Non de la nourriture solide. And not with solid food. Car vous ne pouvez pas la supporter. For until now you were not able to receive it. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. And even now you are still not able. Are you not carnal? Et il continue encore, il met l'accent dessus. And he lay emphasis on en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, for when there are envy, de la carnalité d'une église locale. When a church is carnal, this is what's happening: envy, jealousy, strife, jalousie et dispute. Strife, envy, jealousy. Quand vous voyez une cellule, when you see a cell, il y a a cell in the church. Et jalousie. And there are contentions and votre cellule est une cellule jealousy, charnelle, nepios. Your cell is a carnal cell, is a nepios cell. Si votre département là où vous êtes là, if the department you belong to, c'est tout le temps des disputes et de la jalousie. And jealousy. Ah, mais pourquoi le coordinateur du département là a fait ça? C'est pas moi qu'on a mis là. C'est un chrétien, une chrétienne charnelle. You will say, why did the coordinator of the department did this and did that? It not means that he put you a carnal Christian man or woman. Pourquoi on a choisi celle-là? C'est pas moi. Why did they choose this one and not me? On veut te parler, tu when they want là, to talk to you, no, you misbehave. Nepios. You are a nepios. Pourquoi tu n'arrives pas à croître? That's why you are not able to c'est grow. Pourquoi la nourriture solide ne te plaît pas? That's why you don't like the solid food. Tu juges les prédications du pasteur. You are judging the pastor's preachings. Tu n'as pas de révélation. You don't have any tu revelation. Tu prends ton cerveau. But you take your natural brain. Arrivé à la maison. And when you tu get home, pour dire, ah, c'est que le pasteur a dit, mais. You sit down and say, but what the pastor said is too bad. Il y a le mais dans la Bible là. Do we have the word bad in the Bible? Did they add it? Dieu n'a pas dit mais. Pourquoi if toi, God tu did not aller add bad, why will you add bad? Who are you to add that? Qui es-tu? Who are you to add? Voilà la question. That's the question. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas? Why so many Christians are not moving forward? Le Seigneur m'a dit, il faut, tu as fini de faveur, stager, tout cela, c'est bien. That's why the Lord said, you have done si the favor veux qu'ils grandissent là, but if you want them to grow up, il faut toute l'année là les ramener, puisque et on est en train d'avancer. As we are heading forward in the et decade, les choses vont, les jours mauvais vont s'intensifier. And evil days will be multiplied. Si dans ces jours actuels là, qui sont des jours normaux, and ils n'arrivent même pas à cause des jalousies, mais quand les jours mauvais s'avancent, chaque année, Jésus a dit que même les, si c'est pas que lui, là, il va arrêter là. Même les élus là seront auront des problèmes. If those days were normal, you are not able to stand. When the evil days will come, how will you stand? Because Jesus said, when those days will come, even the elect, except it shorten the days, they will not be able to stand and overcome. Je vous parle des choses sérieuses. C'est pourquoi je vais doucement. I'm talking to you about serious things. That's why I'm going slowly. De façon posée.
in a very calm way. On est dans des phases importantes de la vie. We are in a very important phases of the life of the world. Les mondialistes se sont positionnés. The mondialistic people position themselves. Le gouvernement mondial se positionne. The world government is positioning himself. Ils ont préparé leur plan. They have prepared their plans. Mais un gouvernement mondial, ça ne peut pas être contre, c'est contre le christianisme. But the world government cannot be against anything else but Christianity. Contre qui? They would with their fight. Parce que les lois qu'ils vont faire voter là. Because the laws that they will vote. Ce sont toutes ces lois qui contredisent la parole de Dieu. There are other laws that are contradicting the word of God. La parole, uniquement la parole de Dieu. It only on ne veut plus voir le mot God. Péché. They don't want to see the word sin in the word. Moi, je reçois des documents. On veut enlever de toute religion le mot péché. I'm receiving some documents. They want to remove from the origin the word sin. They don't want to see the word sin mentioned in the religion. They don't want it. Ils peuvent dire les gens. And you see, if you put sin, you make people feel guilty. They don't talk about the blood. They don't want it. Les enfants, the blood for the children, they are too sensitive. Don't talk about the blood. Comprenez? Do you understand? Et puis une religion comme ça, and such a religion faut like pas that, mettre le nom de quelqu'un. Faut pas dire que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité. Non, non, faut pas dire comme ça. Don't put someone. Don't say Jesus Christ is the only way, the only truth. No, don't say that. Ah, oui, un, no, un Jesus bien, was a good man. Say il avait la compassion he des had gens. Compassion for people. C'est une grande figure religieuse. It's a great religious figure. Mais ce n'est pas un sauveur. But it is not a savior. Alors, si toi déjà tes petits problèmes là, tu as fait ça là, si ça, ça l'a arrêté, tu peux retenir. But if you for the little problems you are disappointed, if this situation comes, can you stand? Tu ne peux pas tenir. You cannot stand. Tu ne peux pas tenir. You cannot stand. Il dit jalousie, dispute. He says contentions, envy, strife. N'êtes-vous pas charnel? Are you not carnal? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Are you not behaving like me, a man? Quand l'un dit moi je suis de Paul. For when one says I am of Paul, d'Apollos. Another I am of Apollos. Are you not carnal? Qu'est-ce que donc Apollos? Who can, where Qu'est-ce then Paul? Is Paul? And who is Apollos? Serviteur par le moyen desquels vous avez cru. But minister for whom you believed. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. As the Lord gave to each one. Il dit, moi j'ai planté. He said, I planted. Apollos a arrosé. Watered. Mais Dieu a Apollos fait watered, croître. But God gave the increase. En sorte. So then. Que ce n'est pas celui qui plante qui neither he will chose, plant is anything. Ni celui qui arrose. Nor he will waters. Mais Dieu qui fait but, croître. But God will give the plante increase. Et celui qui arrose sont égaux. Now he will plant and he will waters are one. Vous ne pouvez pas choisir ça, 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 ça. You cannot choose this one on and, dit and not this égaux, one. Chacun a un travail spécial. They say there are ones that are equal. Each tu one of them got a special role. Pour dire que tel pasteur, tel, tu n'as pas le droit. Tu es un chrétien népios. You don't have the right to say this one. This pastor is better. This one chrétien is better. No, népios. You are a népios. Il dit mon Christian. Frère. He said, my brother, celui qui arrose, ils sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. He will plant and water at one, and each one will receive his own reward according to his own labor. Personne ne recevra plus que son camarade. No one receive more than his neighbor. C'est ce que tu as fait ou tu as été fidèle là qu'on va te récompenser. It's what you have done, where you have been faithful that they will reward you according to that. Il n'y a pas de premier dans le royaume des cieux. There is no first in the kingdom of heaven. Il n'y a pas de deuxième. No heaven. Tu as vu no l'homme de les hommes de talent là? Did you see the man, the story with the talent, the parable of the talents? The one who had five and again, he has been faithful. He had il some other talent. The one who got two was faithful. Il a pas été fidèle. But the one who had one was not faithful. On te dit que chacun fait et joue son rôle. You were told that each one plays role. Il y a les planteurs, il y a les arroseurs, il y a les entreteneurs, there are those who take care. Et puis développer tout ça là. Mais tout. And all. Dieu fait. What? But also that God gave the increase. Mais Dieu fait croître quoi? God gave the increase. Ce qui a été planté et qui a été arrosé. What was planted and Mais watered. Si nous ne plantons pas, but if we do not plant, si nous n'arrosons pas, if we do not water, si nous n'entretenons pas, if we do not take care, qui va faire quelle croissance? Which kind of growth can God bring? Il va faire quelle croissance? Which kind of growth can it quelle can croissance manifest? Dieu va faire? Which kind of growth can he manifest? C'est la semence de maïs qui a été plantée. Is the corn seed that was arrosé, sowed, that God, on a entretenu that watered, en mettant de l'engrais. We took care. Et by putting fertilizers. C'est le cultivateur qui va faire croître. C'est le cultivateur qui va faire croître. Is, not the, le is maïs it the farmer that will make the hein? Corn grow? No. Je vous pose la question. I'm asking the question. Is it the farmer that will make là? The corn grow? Mais c'est qui? But who is making the Dieu. Corn grow? Say God. Clairement. Answer clearly. It's God. On dit Dieu fait croître. The Bible said that God give the increase.
Donc, so, la croissance, the growth, ne peut se faire, cannot be made, que là, when où on a planté, a seed où on a arrosé, watered, où on a entretenu, and that we le Saint-Esprit peut faire croître ta vie. The Holy Spirit cannot make si your life grow. De planter chaque jour, if you refuse to plant la parole every day, the word of God si in you, if you don't water this word, by praise, worship, and faith, et si tu l'entretiens pas, and if you don't take par l'obéissance, by obedience, Dieu ne fera pas croître. God will not to make it grow. Non. No. Dieu ne fera pas croître. God will not make it grow. Never. You plant, you water, and you take a. If not, God will not make your life grow or anything else grow. You will not make donc, the increase. Tu vois déjà, so tu you vois see, déjà tout le thème dans l'année. You see how the theme of the year. Il ne va pas croître. It will not make give il the increase. Il faut oublier d'être des chrétiens. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Ce que Dieu bénit là, ça reste sur la terre. C'est forget pas une to seek for blessing. God will bless. God will bless. What God will bless, we c'est pourquoi dans Matthieu, vous comprenez pas quand il vous dit. Vous vous attachez à ce qu'on appelle bénédiction. You don't understand what I tell you. Dieu que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. He said that the blessing of et God is so free. Et dans Matthieu 6, 33, and Matthew 6, 33, cherchez le royaume des cieux et la justice. He said, the kingdom of God and il dit toutes ces choses-là. He says all those things. Ce que nous appelons bénédiction là. The things we call blessing. Jésus dit toutes ces choses-là. Jesus said all those things will be added to you. Jésus appelle ça les choses. Jesus called it the ton things. Ton élévation, chose. Your lifting up, your tu promotion, ministre, it's a chose. Thing. You become a minister, it's a tu thing. Tu as des milliards, you have billion, it's a thing. Tu as des avions. You have plans. It's a thing. C'est pas une bénédiction. It's not a blessing. It's a thing. C'est un accompagnement. Those things we follow, pour we te mettre dans un encadrement. To set you in a certain à l'aise, comfort. Pour to make you feel choses. Comfortable to do things for mais, God. But tous ceux qui ont de l'argent et tout ça là. All those who have money, others. Ils s'en vont, ils laissent tout ça là. They are going there to ils ont été accompagnés pendant des années par ça, 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 ça. They have been followed for years mais and years by là, this, that, that, ils that. Ils les accompagnent l'autre côté. And when they go, they when these are going to follow Dieu them in heaven. Dieu est prêt à te donner. So God is ready to give you ces choses là. Those things that à you want. Condition que le royaume des cieux soit mis en première but place. But if you put first the kingdom of et quand Dieu va te donner ces choses là, ça ne va pas. And when God gives us non, things, tu bon. Ce que Dieu a donné là, c'est pour m'aider à avancer. You know that this is for c'est you pour m'aider à aider les autres. C'est pour que l'évangile aille de l'avant. C'est fini. Spread the gospel. Mais tu vas pas te bomber en disant but moi, je suis devenu maintenant millionnaire ou millionnaire. I'm now a millionnaire or moi, maintenant, je suis devenu ministre. I'm je now suis devenu minister. Député. Tu vas pas aller t'enorgueillir des choses comme ça. I become a member of parliament. Don't boast yourself with those temporary things. No, don't boast yourself with those things. Non, c'est ça. This is it. Il y a des choses que Dieu nous donne pour nous accompagner. There are things that God is giving us just to accompany us on earth. Même les miracles. Even the miracles. On dit, les miracles vous accompagneront. He says those miracles will follow you. Mais il ne peut pas vous accompagner permanemment. They cannot follow you permanently. Puisqu'on dit que même la foi aura une fin. Ah, they say that even faith will have an end. C'est écrit dans 1 Corinthiens 13. It's written in 1 Corinthians chapter 13. Même toutes ces choses-là. Even all those things. Auront une fin. We have an end. Dieu fait croître. God give the increase. Donc, apprends à planter. So learn to plant la the seed. De Dieu, the seed of the word of God. Arrose-la. Water the seed. Et ensuite, entretiens. And next, take care of the seed. Et tu vas voir. And you will see. Que sans savoir. Without knowing. Le maïs que tu as planté là. The maize that I planted. Que tu as arrosé. Tu as planté et tu as mis dans le sol. Dans la terre, là. The maize of the corn that you have planted and watered. On te demande d'arroser, rien d'autre. You were just asked to water it, nothing else. Si c'est un champ, de if mettre de l'engrais quand ça va sortir. You have to put fertilizer when it starts growing. Ça c'est ta part. This is your portion. Pour ta propre vie. For your own life. Et dans l'église locale maintenant ici comme l'assemblée. Now in the local church like today gens, in the assembly. Il y a des planteurs. There are those who are planting, those who are watering, those who take care. Comme naturellement. Just as naturally speaking. Mais, but le champ que tu as planté là, the field you have planted, tu viens une semaine plus tard, you come 1 week later, on te dit dans les paraboles là, when you are told in the parables, tu ne sais pas comment ça a poussé. Quand toi tu dors, but you sleep, oui, Dieu fait son you travail. Don't know how it's grew up, you just sleep and God is doing it. Dieu a fait son travail avec un sol non ensemencé, arrosé.
No. God cannot do his work in a field where there is no seed, there is no water. La prière n'est pas une semence que Dieu fait croître. The prayer is not a seed that God will make grow. No. La prière fait partie de arroser là. Prayer is part of the process of watering the soil. L'adoration, la louange, la prière fait partie de la partie arrosée. Of the portion of watering the soil. Entretenu là veut dire par l'obéissance. L'obéissance qui entretient ta vie, c'est l'obéissance qui entretient et donc la qualité de ta vie. Et ça, Dieu entre en scène et fait grandir. Taking care, it means it's by obedience. By obedience, you take care of your life and God will come on the scene and make you grow. Première église, Corinth. So the first church is the church of Corinthians. On ne va pas lire la suite, sinon. We will not read the next verse. Si on lit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, tu vas voir les scandales. Quelqu'un qui a pris la femme de son père. If I read 1 Corinthians, 2 Corinthians, we read the scandal. Someone would take his father's wife. And some people are calling themselves before the court, before the church. He's calling his brother before the court. Some Christians were calling each other before the court. In the seminar, we'll talk about this part. The church of the Galatians, the second Nepios church, l'église locale de Galates. The local church of the Galatians. Galates 4, verset 1. Galatians chapter 4, verse 1. Galates 4. Galatians chapter 4. Verset 1. Verse 1. Paul dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Paul says, as long as he is the child, the head does not differ. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. The head does not differ at all from a slave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Though he is master of all. Seigneur. Oh Lord. Cette phrase elle est très importante. This sentence is very important. Voici un héritier. Here is a heir. Un héritier. Here he is a heir. À qui tout l'héritage a été donné. To whom all the inheritance was given. Prenons naturellement. Let's take the case on natural son rent. Père avait des avions. His father had planes. Son père, voiture. His father had cars. Bank. Il n'a qu'un seul fils. And he has only one child. Il dit, voilà mon héritier. He says, this is my inheritance for you. Voilà mon héritier. Here, this is my heir. Mais la Bible dit, but the Bible says, l'héritier là, as long as est toujours enfant, the heir is a child, son héritage là, his inheritance, il ne diffère en rien d'un esclave. It does not differ at all from a slave. Il est comme un esclave. He's like a slave. Mais il n'est pas mûr. But because not il ne peut mature, pas gérer. He cannot manage it. Il n'est pas mûr, il ne peut pas gérer. He's not mature, he cannot manage it. Verset 2. Verse 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. But he's under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Dieu a confié tellement d'héritages aux chrétiens. God entrusted so many inheritances to the Christians. Mais il se contente de jouets. But they are just focused on the toys. J'explique cela. Let me explain that. Parce qu'un homme, comme j'ai dit, il a des avions, il a des voitures, il a des grandes choses. Here is a man, as I said, he got some planes. Et tout ça, ça appartient things. À l'héritier de l'enfant là. And also things belong to him. He's the heir. Mais comme il est enfant, as he's a child, ce sont des tuteurs, il gère. Il est héritier, mais le papa a désigné un directeur général pour la compagnie aérienne. It is hard, and the father look for guardians and stewards to on keep a mis des administrateurs partout they are put, stewards and guardians to take enfant, care. Qu'est-ce qu'il fait? And this child, what is he doing? Contente. He just il dit à papa, he said to his father, achète-moi un avion. Buy me a plane. Achète-moi un train. Buy me a train. De quoi il parle? And sometimes il parle les petits avions dans les boutiques là. What is he talking about? He's talking about little planes ça, in the shops. Vous, when he takes it, the planes just take off. Here is a head. He really has planes, but he's playing with a toy. He's playing with a toy, like he's playing with a toy.
C'est pas les choses que vous demandez. It's not about the things on n'a pas besoin de demander. Un héritier ne demande pas. A head does not ask his father. No. Un héritier a un testament. A head got a will. He had a will, a testament, a will. Et nous avons deux testaments. And we have two wills. L'Ancien Testament c'est pour les anciens. The Old Testament, Nouveau Testament for the headers, c'est pour nous. And the New Testament on te is dit for que us. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus. And you were told that we are heirs and joint heirs with Christ. Pas déshérité Jésus, il ne peut pas te déshériter. Il ne peut pas. Take up the inheritance from Jesus. He cannot take it from you. He cannot take Mais the inheritance from you. Mais tant que tu as la mentalité d'un enfant. But as long as you have the childhood mindset. Toi, tu joues avec les dons de Dieu. You are playing with les God's dons gifts. De Dieu sont des jouets dans ta main. God's gifts are becoming toys in your hand. Quand Dieu dit bon, par exemple, je When prends says, tout example, ça, je prends ça comme héritage. Dieu te donne une grâce de prophétiser une fois. God gives the grace tu to prophesy avec once. Ça maintenant. You have played with the gift of prophecy. Hey, when you are in church now, I've seen God told me that. À distribuer les prophéties. You start tu es en train de jouer avec la prophétie comme un jouet. You are playing the prophecy just like you are playing with toy. You are playing with that. Dieu t'a donné une onction musicale. God gave you an anointing for music. Tu as commencé en marchant avec cette onction musicale. You started working with this anointing. Même moi, on comme les gens disent, ah, tu chantes bien. Toi, c'est pas ta qualité de chanteur ou chanteuse qui importe. C'est cette onction que Dieu a placée sur toi. Even when people say it was good, wonderful, nice, but it's not about the talent or the qualities that you are. It's about this anointing put by God upon that matters. Ils ne reconnaissent pas. But they don't acknowledge et le that. Chrétien, le pieux, comme ça, il est jaloux, il est tant. And the pious Christian is behaving like jealous. Il oublie vite. Jealous everything. He forgets quickly. He forgets everything. He forgets quickly. N'oublie pas d'où tu viens. Don't forget where you are coming from. Donc vous comprenez? So you understand. L'église de Galates. The Church of the Galatians. Vous voyez bien? You see. Galates 1, verset Galatians 6. Chapter 1, verse 6. Élément de Galates 1, verset 6. Another point about Galatians chapter 1, verse 6. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? What is Je m'étonne que vous vous détourez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. I'm marvelous that you are turning away so soon from notre évangile. Who called you in the grace of Christ to a different gospel. Et la suite? The next non verse. Pas qu'il y ait un autre évangile. Not that there is another gens gospel. Il y a des gens qui vous troublent. But there, so as someone will trouble you, I want to pervert the gospel of Christ. Voilà. Les gens commencent. People start. L'évangile. With the gospel. Ça va bien. It's okay. Et brusquement. And suddenly. Tu dis, ah, tu vois pourquoi ils ont eu la révélation. You think that ils ont eu des visions. They have a révélation, vision là. Ça va contredire la parole de Dieu. And the revelation vision will contradict the word of God. Is it real? Une révélation qui contredit la parole de Dieu, vous suivez la personne. A revelation that contradicts the word of God, you just follow him like that because he said he had a revelation. Vous suivez la personne. Just follow that person. La suite. The next regardez, verse. Vous allez comprendre. Donc, you understand. Mais quand nous-mêmes. But quand as un an du ciel, un autre annoncerait un autre évangile. But even if que celui que nous vous avons prêché, or an angel from heaven preach another gospel to use on what we have preached, let him be accursed. Quelqu'un d'autre. It's someone else. Annonce autre évangile que nous prêchons là. Preach another gospel than the one we preached. Cette personne soit maudite. He said that let this person be cursed. Paul était sévère. Hein? Paul was very hard and tough. On ne peut pas modifier, on ne peut pas avoir des révélations. On ne peut pas avoir des révélations. Les gens sont assis ici tranquillement. Non, on vient leur dire qu'une fille, une femme, Jean-Chaud vient leur dire, j'ai vu, ils se lèvent, ils quittent avec leur famille, ils sont dans la misère aujourd'hui spirituelle. We cannot have revelation that contradicts the word of God. Some people was here quietly, and they say that a woman is seeing this and that. They go and follow them. Now they are in spiritual misery, and they cannot come back and sit down. Vous pouvez vivre de prophétie? Can you live only with prophecy? Révélation? And just kind of revelations? Vous voulez pas qu'on vous entretienne et vous soyez entretenu? You don't want them to take care of you. They will. Ça n'ira pas. We will take care of you. If not, you're not to be okay. Qu'est-ce qu'il dit la suite là? What did he say? Vous devez commencer par l'esprit. Nous l'avons dit précédemment, je as we have said before, si so now say it again. If anyone vous annonce un autre évangile, preaches que any of our gospel,
to il you. Soit anathème. Let him be accursed. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Do I not pursue men? Ou celle de Dieu? Or God? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Or do I seek to please men? Si je plaisais encore aux hommes, for if I still pleased men, I would not be a bond servant of Christ. You cannot please men and serve Christ. No, my friend, no. Galates 3, Galatians chapter 3, verse 1 to 5. Oh Galates dépourvu de sens. Oh foolish Galatians. Qui vous a fasciné? Who has bewitched you? Qui vous a fasciné? Who has trompé, bewitched you? We have deceived you. We have seduced you. Vous, aux that yeux you de qui? Jésus-Christ a été peint. C'est-à-dire qu'il a été prêché comme before, crucifié. Whose eye Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. This only I want to learn from you. Je veux, c'est-à-dire que Paul est dépassé, il est Paul triste. Paul is overwhelmed, it's sad. Vous êtes parti vous jeter dans des toutes sortes de séductions et de mensonges. You want to know kind of deception and lies. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. This only I want to learn from you. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Did you receive the Spirit by the works of the law? Ou par la prédication de la foi. Or by the hearing of faith. Galates 3 là. Galatians 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Are you so foolish? Après avoir commencé par l'esprit. Having begun in the spirit. Vous voulez maintenant finir par la chair? Are you now being made perfect by the flesh? L'église locale. In your local church. Bien commencé. At your local church, I started well. Bien commencé. You had started well. Paul revient. And Paul come back. Et il envoie des gens qui disent ah l'église là. And he sent people that come and making the report. There's something wrong les in the church. Introduit la loi encore. People have introduced the law again. Les choses de l'esprit là. And the things of the spirit, they have left it aside. Ça les intéresse plus. They don't want it again. Paul dit, ah bon? Paul said, ah, l'église what de Galates? Like? The church of the Galatians, oui. He said yes. Oui. He said yes. On a this lu verset 5. And now verse 5. Avez-vous tant souffert en vain? Have you suffered so many things in vain? C'est lui qui vous accorde l'esprit. Therefore, he will supply the spirit to you. Qui opère des miracles parmi vous. And works miracles among you. Le fait-il donc par les yeux de la loi ou par la prédication de la foi? Is it doing by the work of the law or by the hearing of faith? Donc, une église peut être plantée. So you see, a church can be planted. Arrosée. Watered. Mais Dieu n'arrive pas à faire croître cette église-là parce qu'elle n'est pas entretenue par la parole, par l'obéissance à la parole. But God's not able to make the church grow because the church, they don't take care of it by the obedience of the word of God, by walking in the word of God, and God cannot make it grow. Ne prenez pas un point, vous accrochez à ça. Don't take one point and hang yourself to that. La croissance. On va parler de la croissance. Yes, we tout talk about growth. Tout ce qui empêche les gens de grandir. Anything that prevents people from growing, from increasing. Il y a des gens qui sont fidèles à l'église locale, ils sont pas fidèles à Dieu lui-même pour que leur vie croisse. The people who are faithful to the local church, they're not faithful to God himself for their life to increase, to grow. Ils manquent aucune réunion de l'église they locale. Don't miss any church meeting. C'est devenu leur drogue. It's become like a drug. S'ils ne vont pas à l'église là. If they don't go to church. Yeah. Ce jour-là, oh, this day, there's personne a problem. N'est heureux dans la maison. No one is happy in the house. Mais pourtant, but meanwhile, ils ne vivent pas selon la parole de they Dieu. They don't live according to the word of God. Ils n'obéissent pas à Dieu. They don't obey God. C'est étonnant. It's amazing. Quand la religion nous tient, c'est étonnant. When we are held by religion, it's amazing. Étonnant. It's amazing. Étonnant. It's amazing. Je peux te lire simplement l'église adolescente romaine, romain, on va s'arrêter parce with que the Romans will be closed. Le reste est long, si je vais aller, je vais déborder. The donc rest on va is lire long. Let's read. Une église qui est maintenant adolescente, elle a quitté church. La zone de Népios pour rentrer dans l'adolescence. They left the area of the Népios l'église de Rome. Romains 14, 1. Romans 14. Romains 14, 1. Romans 14, verse 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. We see one who is weak in the faith. Voilà, une église adolescente qui grandit, fait quoi? A teenager that celui is well, qui est faible dans grow, la foi, on l'accueille. That's growing. When someone is weak in faith, you welcome them. Those pourquoi? People who are weak in the faith. Ils sont liés à quoi? Et ne discutez pas sur les but opinions. But not to dispute over doubtful things. Voilà.
L'adolescent, because the teenager, il a ses opinions. Got his own opinions. L'adolescent a the teenager, la manière de faire, got his way of doing things, qui est un peu opposé à celui des parents, the one of his parents. Et souvent, comme nous ne savons pas réagir, and sometimes, as we don't know how nous to réagissons react, à l'opinion de l'adolescent avec violence. We react to the teenager opinion with violence. Au lieu de l'avoir, on risque de perdre l'enfant. Instead of winning him, we may lose him. C'est pourquoi il dit, ils sont faibles dans la foi. That's why they are weak in the faith. L'Église de Rome, Paul dit, attention. Paul said, be careful. Ne méprisez pas ces choses-là. Do not despise those things. Et on va continuer pour lire les versets. We carry on reading the verses. Il dit, tel croit. Et il dit, par exemple, tel croit pouvoir manger de tout. For one believes he may eat of all things. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. But who is weak, he eats only vegetables. Tu comprends? Il a grandi dans une famille où il y a des tabous, il y a des interdits. He grew up in a family where there were taboos, forbidden things. On ne mange pas facochère. We don't have to eat warthog. C'est le facochère qui a amené mon grand-père à trouver de l'eau, il a bu. Donc nous on respecte le facochère. Because it's the animal we said my grandfather helped him to find water, so we respect him. Quand la famille facochère est là, on préfère dire facochère, on te laisse, on va souffrir, nous on te mange pas. When it's a family we don't hit the warhawk, we let him and say we don't hit you, we never let you alive. Voilà. You see, ce sont des gens qui souffrent. Those are people suffering. Il faut plus augmenter leur souffrance. God said, don't increase their pain. Il faut pas les juger. Don't judge them. Et il faut les comprendre. Understand et them. Expliquer, parce qu'ils sont faibles dans la foi. And explain because they are weak in faith. Regarde, Paul, Pierre. Paul. Il était rempli du Saint-Esprit. Was filled with the Holy Spirit. Il était faible dans les traditions. But they were weak in traditions. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'église. There are people like that come to church. Vous aussi. You too. Il a fait des ancêtres là. The question of the ancestors. Les ancêtres. You have to honor the ancestors. Tu vas respecter l'ancêtre là, il est How où? Will you honor your ancestor? Where is he? Your forefathers. Where are they? Il est où? Where is he? Toi, tu respectes même pas you don't ton even papa qui est là. Respect your father tu respectes still pas ton grand frère. You don't respect tu your grandfather. Tu respectes pas ton pasteur. You don't respect your pastor. Ton ancêtre là, il est où? Why would you respect your ancestor, your forefathers? Where are they? Ton ancêtre est où? Where is he? Il est où? Where is your ancestor? Where is he? Ceux qui écoutent certainement se fâcher, mais voilà, mais some, je upset. Te pose la question. Si I'm tu montes ton ancêtre, moi, je vais t'accompagner, on va aller l'adorer. If you have to respect your ancestor, if he's alive, I will follow you, go and worship him, if he's still alive. Des faux problèmes comme ça. Look at false problems and false things like that. Des faux problèmes comme ça. There are false problems, false things. Mais voilà, il ne respecte pas les traditions. They say he doesn't respect the tradition. Which tradition are you talking about? Ah, c'est nous, on mange pas ça. C'est nous, mais in our tradition, we don't eat. We don't eat that. But if I decide ça, to eat, all, you don't eat everything. There's no problem. It's up to mais you. Mais je serai tolérant avec toi. And I will tolerate you. Et si c'est à cause de la santé? But if it's because of health, problème. You don't eat something for understand. Some people don't bear some meat. It's normal. Faut pas les juger. Don't judge them. It's accepter. For their health. Just accept mais si c'est par tradition, but là, it's just by tradition. Bon, okay. All right. Il n'y a pas de problème. Continuons. No problem. Let's carry on. Mon ami, my friend. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange let pas. Let not him who eats despise him who does not eat. Et que celui and qui ne mange pas not him who does not eat. Ne juge pas celui qui mange aussi. Judge him who eats. Dieu l'a accueilli. For God has received him. Jamais jeûne. Tout le temps, il est en train de manger. He is never fasting. Every time eating. He doesn't like fasting. Don't judge him. Laisse-le manger. Let him eat. Car Dieu l'a accueilli. For God has received him. Il est écrit, it's written, qui es-tu, toi qui juges un servant? Who are you to judge another servant? S'il se tient debout, to his own master is stand or fall. Son maître. Indeed, mais il se tiendra debout, he will be made to stand. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. For God is able to make him stand. Voilà comment on doit faire. This is how we should do. Ne juge pas les gens qui sont don't faibles. Don't judge people who are weak. Il dit Dieu va le relever, Dieu va l'affermir. He said God will make him stand. God will strengthen him. Ce n'est plus l'église, ce n'est plus les et n'est plus l'église où ils sont divisés. This is not no more the church where they are divided in the pieces. No, they are growing up. They are teenagers. La suite, mon frère. The next part. Et tel fait une distinction entre les jours. One person esteems one day above another. Another esteems every day. Voilà une autre tradition. This is another tradition. Et dis attention, on est vendredi aujourd'hui. People said, be careful. This is Friday. On est vendredi. This is Friday.
Vendredi. This is Friday. Tu as eu ça où? This is Black Friday. Ton village. Why did you get this in your village? Sinon, montre-moi la couleur de vendredi. If not, show me the color of your Friday. Montre-moi la couleur de vendredi. Show me the color of the day montre-moi of Friday. Quel, vendredi, c'est quoi? What is Friday? Par rapport à jeudi. Tu peux me dire? What is the difference between Friday and Thursday? Vendredi par rapport à jeudi. Friday and Thursday, it's the same. Dans ta tête? It is in your mind. Il y a des jours qui sont comme ça, des jours qui sont comme ça. Tu plantes ces choses-là, ça te crée des problèmes. These are days that are these are tous days sont égaux. You are planting those things and it brings difficulties. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. He said, let each one be fully convinced in his own mind. Conviction. It's a matter of conviction. J'ai dit que Pierre était faible. The Bible said Peter was dit, weak. Lève-toi, tue. God said, arise and kill et those moi. Animals. No, never. Tu as vu, les lapins? Did you see the rabbits? Tout ce que Moïse a dit de did pas you manger see anything là? That Moses forbid us to eat? Il a fallu que Dieu dise si moi je dis. God had to say if I tel animal declare pur, là, that this animal qui is pure, es-tu pour who juger? Are you to judge? Qui a créé les animaux? C'est pas Dieu. Who made the animals? It's God. Alors pourquoi tu vas aller prendre ta tradition et le mettre sur un animal? Why would you take your tradition and put it on an animal? Les minéraux qui te manquent, se trouvent dans cet animal. The minerals you lack are found in this animal. Et Satan veut t'empêcher que tu manges ça pour avoir les minéraux. And Satan wants to prevent you from eating it for you to have minerals for your body, for your health. C'est pourquoi toutes tes dents là sont tombées. That's why all your teeth are falling. You are lacking of minerals. Bah, les minéraux qui sont dans cette nourriture là, the minerals that are c'est in ça qui allait faire que tes dents allaient tenir. Are the ones who should strengthen your teeth. Donc tu vois. So you see. Continuons mon frère. Let's carry on my là, c'est l'église adolescente. This is the teenager church. C'est lui qui distingue entre les jours agis ainsi pour le Seigneur. He will observe the days, observe it to the c'est Lord. C'est lui qui mange. And he c'est does pour not le Seigneur observe qui a day to the Lord. Quand il rend grâce à Dieu, does not observe. C'est lui qui ne mange pas. He will eat. C'est pour le Seigneur qui ne mange he's pas. To the Lord. He will does il not eat. Grâce à Dieu. For he gives God thanks. He said, forget about different laisse opinions. Le. Leave him. Quand il va comprendre, when he will understand, ça va aller. It will be okay. C'est fini? Is it over? En effet. For nul ne vit pour none of us lives to himself. Et nul ne meurt pour lui-même. And no one dies to himself. Car si nous vivons, for nous if vivons we live, pour le Seigneur, we live to the Lord. Et si nous mourons, and if we die, we die to the Lord. Soit donc que therefore, nous vivons, we live, soit que nous mourions, die, nous sommes au Seigneur. We are to the Lord. Car Christ est mort, il a vécu. For Christ afin died, de dominer sur les morts et sur les vivants. Lived and died so that it may rule. It might be the Lord above, the dead and the living. Ou toi, but why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal for de Dieu. We shall all stand before the judgment seat of Christ. Il est écrit, for it's written, je suis vivant, dit le Seigneur, as I live, says the Lord, tout genou fléchira every devant knee shall bow to me, et toute langue donnera gloire à Dieu. And every tongue shall confess ainsi, to chacun God. De nous rendra so compte then à Dieu each of us lui-même. Shall give account of himself mais to God. Nous jugeons donc plus therefore, les uns let's not judge one another mais pensez anymore, plutôt à ne rien faire qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement. But whoever resolves this not to de chute, put a stumbling block of to cause to fall in our brother's way. And I know I'm convinced by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. But to him who considers anything to be unclean, to him it is unclean. Yet, if your brother is grieved because of your food, you are no longer the one walking in love. Do not destroy with your food the one for whom Christ died. Ne soit pas un sujet de calomnie. Therefore, do not let your good be spoken of as it is. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. On va s'arrêter là. We stop here. Donc, il ne faut pas confondre parce que les Romains don't confuse, because the Romans ils avaient mélangé la loi et la grâce. The law and grace. Vous voyez? You see? Ils ont mélangé la loi et la they grâce. They mixed law and grace together. Bon. Donc vous voyez ces trois églises là. So you see those three churches. Corinth, the Corinthians one. Galates, the Galatians. Les églises Népios, the Népios churches. L'église de Rome est sortie. And the church of Rome came out. Mais ils ont des problèmes. They had troubles. Des jugements. Of judgment. Ah non, non, non. No. Il ne doit pas faire ça. He shouldn't do that. Un chrétien ne fait pas a ça. A Christian doesn't have to do attention, this. Celle-là, là, elle fait comme ça. This one is doing celui-là this. Fait comme ça. This one is doing that. Dieu dit non. God said no. Ça, c'est une église adolescente. This is a teenager church.
il n'est pas aussi mûr. He's not as mature as les autres. He's judging other people. Il ne voit que les défauts des autres. He's just seeing other people's faults. La faiblesse des autres. Other people's weaknesses. Qui n'est pas tolérant. He's not tolerating other people. Dur. He's hard. Quand il voit la faiblesse de quelqu'un, when he sees someone's weakness, mon frère, my brother, il ne peut pas accepter. He cannot accept. Ah, il a commis le péché. Because committing such a sin, no. C'est un frère. Il n'aurait pas dû commettre ça. He shouldn't have done that. Tu vois, on te salue plus. They stop greeting you. Ce n'est pas ça. It's not that. Donc, on va s'arrêter là. So we stop here. Ce matin. Today. Parce que c'est déjà bon. Because already good. Regarde toi-même. Look at for yourself. Quels sont les éléments que tu as relevé déjà dans ces deux catégories d'églises là? What are the things you have found? Les églises népios à travers. L'église de Corinthe, the Nepios churches through the church l'église de Galates, and the Galatians, et maintenant, and now, avec l'église donc de Rome, with the church of Rome, tu vois, you see, la loi a pris le contrôle de ta vie. The law took the control of your life. Parce que obéir à la loi là, c'est bien. Because obeying the law is something nice. Pour les gens. It's nice for people. Ah, la religion aime ça. Religious like it. La religion aime ça. Religion like it. Moi, j'ai jeûné deux fois. I fasted two times. Il s'en va, le religieux s'en va dire à Dieu. The religious go and say to God. Tu sais, chaque semaine là. Every week. Le mercredi, le vendredi. On Wednesday. Ce sont mes deux jours de jeûne. Those are my 2 days of fasting. Même Dieu sait ça. Even God knows. Ensuite, next. Depuis que je suis dans l'église là. Since I've been in the church. Je n'ai jamais manqué de dîmes et des offrandes. I never miss to give my tithes and offerings. Et troisièmement. And third. Tu vois là. Les péchés grossiers que ceux qui sont là-bas la commettent là, je ne commets pas ça. The dirty sins that those who are over there are committing. Alors, I'm not committing that same sins. God speaks. God kept quiet. Le faible est venu. And the weak one came. Le faible est venu. The weak one il rentre même pas. He doesn't enter in the temple. Dieu, he stays outside. He said, Lord, I'm not worthy to enter in your presence. Tu vois mon cœur, non? You see my heart. Je veux obéir. I want mais je n'arrive pas. But I'm not able to obey. I'm not worthy. Forgive lui aussi il est parti. He too left. Les gens ont dit, ah, aujourd'hui on va voir le jugement de Dieu. If it was people today, they'd say, ah, let judge. Le gars est bon, hein? This guy is good. Comment? How? Il jeûne. He's fasting. Il prie. Pray. Il ne commet pas les péchés. He doesn't commit. Il donne sa dîme et ses offrandes. Sins like the other, give the tithes and offerings. Ah non, Dieu. No, Lord, no, attends, Lord. Nous on te respecte, hein? We honor, we respect mais zéro you. Le type là. But you give zero tu to this one. Haven't you seen all his? Et l'autre alors? His behavior. Moins one the other one should have minus. Dieu dit 20. God said 20 out of 20. Voilà les choses de Dieu. These are the things of God. C'est ça la croissance. Is that called et growth? Votre mentalité change dans ça. But your mindset c'est ça qui empêche que vous ne grandissez. This what prevents you from growing. C'est pas les gros péchés grossiers, hein? It's not no, about big sins. C'est votre attitude. It's about your attitude. L'enfantillage. Your childhood behavior, jealousy, mesquinerie, envy. C'est ça qui fait que les gens ne grandissent. This what preventing people from growing up. De ne pas respecter les gens. You not respect people. On a mis les personnes là. Non, moi, this one has je quitte ce département là. No, on n'a pas department. Trouvé quelqu'un d'autre pour mettre là-bas. Find someone else to put non. There. Non, ne fais pas ça. Don't do that. Tu n'es pas mieux. You are not better than tu es sauvé par grâce. You are saved tu by vis grace. Par grâce. You are living by grace. Tu n'es pas autre chose. You are nothing else. Voilà. Not better than only, on a mis anyone. Let's bow our excellent heads. Père de grâce. Excellent Father of grace. Merci pour ce premier message. Thank you for this message of the year. Sur la croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit. In the life of the spirit. Nous avons vu ces trois églises là. We saw those three churches. Ils n'ont pas su comment vivre dans l'esprit. We did not know how to live in the spirit. Ils sont restés dans le niveau 1. They remained the first level. Le niveau 2. And the second level. De l'enfance népios. Or the childhood népios. Et de l'adolescence turbulente. And the turbulent teenage. Père, nous voulons pas rester dans ces Father, situations we nous don't aussi. Want to remain in those same situations. Parce que nous voulons avancer. Because we want to move forward. Et nous te prions que avec ces premiers messages là, and we pray que nous avons discerné notre état. That we have nous avons discerné notre position. We have discerned our nous avons discerné notre we have discerned our characteristics. Que tu nous aides may you help us à sortir de l'enfance to come népios, up from childhood. À sortir de l'enfance héritier, mais qui vit comme un esclave. Come up from the childhood of the hell we live like a slave. Mais à sortir aussi de l'adolescence and turbulente. To come up from a turbulent teenager time. À entrer réellement and dans cette croissance. In this growth. Parce que nous avons décidé de planter because la parole to dans nos plant cœurs. The word of God in our hearts. L'arroser avec la louange, l'adoration, to la water prière, with praise and worship and prayer, et l'entretenir surtout and to take care of it, par l'obéissance à ta parole. With the obedience to your merci words. Pour
pour tes enfants. Thank you for your children. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Merci pour ce premier message. Thank you for this first message. L'année 2022. Of the year 2022. Le premier dimanche. Of the first Sunday. Béni sois-tu, Père. Blessed be your name, Father. Au nom de Christ Jésus. In the name of Christ Jesus. Amen. 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 Amen.